Au cœur de l'Amérique centrale, le Guatemala occupe une superficie équivalente à 1/5 de celle de la France. Avec le Mexique et le Belize, le Guatemala est le berceau d'une des civilisations les plus anciennes de la planète, la civilisation Maya. Le Guatemala est caractérisé par une grande variété de paysages. Le sud est recouvert de massifs montagneux, ponctués d'une trentaine de volcans. Les plaines s'étendent principalement sur la partie nord du pays, où elles sont recouvertes de jungles. D'autres plaines mènent l'une à la côte Caraïbe, l'autre à la côte Pacifique. 1000 ans avant Jésus-Christ, le peuple Olmec était à l'origine d'une civilisation qui influencera profondément celle des Mayas. Ceux-ci développèrent à un très haut niveau les arts, les sciences, l'écriture, la manière d'exercer le pouvoir, l'architecture. Puis vinrent 3 siècles de domination espagnole et l'indépendance obtenue par les armes en 1821. Population 11 millions d'habitants, dont plus de 60% d'Indiens. Le reste étant réparti entre Ladinos, Noirs provenant des îles Caraïbes et Blancs. Le développement rapide de la population ne va pas sans poser de problème à l'économie du pays, qui repose principalement sur ses richesses naturelles, avec notamment le bois. Pour limiter le problème de la déforestation, heureusement, on a commencé à reboiser. Et l'on est désormais plus attentif au maintien de l'équilibre écologique. La préservation des richesses naturelles du Guatemala, de sa flore et de sa faune en dépend. Le maïs est un des points forts de l'agriculture guatémaltèque, avec la banane, le café et la canne à sucre. Autre ressource naturelle du pays, le pétrole, que l'on ne se presse pas outre mesure d'exploiter. Création d'industries, réalisation d'infrastructures, développement et amélioration du réseau routier et de tous les moyens de communication, la modernisation au sens large est une des conditions essentielles de la marche vers l'avenir pour ce pays au passé bien présent qu'est le Guatemala. Guatemala Ciudad, la capitale du pays depuis la fin du XVIIIe siècle, est surplombée par les 3766 mètres du volcan Agua, en sommeil depuis sa dernière éruption qui remonte au XVIe siècle. Perchée à 1500 mètres d'altitude, la ville est conçue en damier. La Plaza Mayor, le cœur historique, est dominée par la cathédrale Metropolitana, achevée en 1865. Depuis l'indépendance, le Guatemala a connu de nombreux dictateurs. L'un d'eux, le général Jorge Ubico, a fait bâtir au début des années 1940 le Palacio Nacional, qui abrite aujourd'hui le ministère de la Culture. L'architecture des belles demeures coloniales qui bordent la Plaza Mayor est remarquable. L'esthétique des rues environnantes, entièrement vouées au commerce, est plus discutable. L'Amérique du Nord est toute proche, et ça se voit. Même si les 2 millions d'habitants de Guaté, le surnom de la capitale, ont conservé malgré tout un tempérament bien latin. À l'opposé du quartier historique, s'étend avec le quartier de la Reforma une zone moderne consacrée au commerce international, aux banques et aux grandes entreprises étrangères. Ville en perpétuel mouvement, Guatemala Ciudad ne cesse de se développer. Immense, elle fascine et attire la population rurale, essentiellement indienne. Pour abriter les nouveaux arrivants, elle développe ses faubourgs de manière de plus en plus acrobatique. Les Indiens se retrouvent au marché de Guatemala Ciudad pour vendre ou échanger une bonne partie des produits des régions centre et sud du pays. L'économie guatémaltèque repose principalement sur ses richesses agricoles, qui représentent 50% des exportations. Direction, bien souvent, les États-Unis. Pour le confort, il vaut mieux prendre les choses de haut et avec le sourire.
trabajo 30. Bendícelas en el nombre de Cristo Jesús. Au marché, comme partout ailleurs, la religion a sa place et se fait entendre. La majorité de la population est catholique, le reste protestant. Et les croyances mayas cohabitent avec le christianisme. Un grand moment du culte catholique, les cérémonies de la Semaine Sainte. Dès le dimanche des Rameaux, la cathédrale lance les festivités qui auront lieu dans tout le pays. Organisées avec soin par les puissantes confréries religieuses, les processions suivent toutes le même modèle. Des encensoirs, un char surmonté du Christ ou du saint patron de l'église, une fanfare qui ponctue d'une musique lancinante la marche des pénitents supportant leur lourde charge. La Semaine Sainte est une occasion de plus pour Guatemala Ciudad d'accentuer encore le magnétisme qu'elle exerce sur tout le pays. À 100 km au nord de la capitale, au milieu des montagnes couvertes de pins de la Sierra de las Minas, on étudie l'un des phénomènes les plus étonnants de la faune guatémaltèque, le quetzal. Oiseau emblème pour le Guatemala, le quetzal ne se laisse pas facilement observer. De longues années durant, la scientifique Marie-Claire Païs a multiplié les recherches. Oui, le quetzal se trouve au Guatemala dans les forêts nuageuses qui sont d'assez difficile accès. Donc c'est en général la limitation pour pouvoir les voir facilement. Néanmoins, il y a certains endroits qui ont été habilités pour le tourisme, pour que le touriste puisse aller le voir assez facilement. Et de même, au biotope du quetzal qui se trouve sur la route à Coban, au long d'une route goudronnée, où aussi on peut voir le quetzal dans certaines époques de l'année. Le quetzal est une espèce en voie de disparition. C'est une espèce avec une distribution très limitée à niveau mondial, du sud du Mexique jusqu'au nord du Panama, dans un genre d'écosystème très limité, la forêt nuageuse, qui se trouve uniquement dans les parties les plus hautes des montagnes. Et c'est le genre d'écosystème qui est très menacé par la déforestation. Honoré par les Mayas qui utilisaient ces magnifiques plumes pour leur parure, le quetzal est depuis très longtemps un des symboles du pays. On retrouve d'ailleurs sa silhouette colorée partout, aussi bien sur les tissages qu'au bord des routes. Le quetzal peut être associé à une marque d'essence ou à des activités plus ou moins mercantiles. Le quetzal a aussi donné son nom à la monnaie nationale. Il est donc omniprésent sur les innombrables marchés du pays, comme celui de Tactic, un petit village représentatif de la région des Indiens Quechi. Sourire des vendeuses, haricots destinés à l'élaboration de nombreux plats relevés par des piments, fleurs tropicales, fantaisie et caractère, on y retrouve toutes les saveurs du Guatemala. Coban est la principale ville du centre du pays, élevée au rang de cité impériale par Charles Quint. Aujourd'hui, les vestiges de l'ère coloniale sont rares. Sur la place centrale règne l'architecture moderne. Coban et ses 22 000 habitants vivent essentiellement de l'agriculture. La route de l'Atlantique traverse tout l'est du Guatemala pour rejoindre l'océan et Puerto Barrios. À 210 km de Guatemala Ciudad, le site de Quirigua est un extraordinaire ensemble de stèles mayas inscrits par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Érigé à partir du 5e siècle après Jésus-Christ, au centre d'une cité aujourd'hui disparue, les stèles de grès illustrent le règne du grand monarque bâtisseur, Sielcahuac.
La plus grande mesure près de 11 mètres, dont 3 sont encore enfouis dans le sol. Elle ne pèse pas moins de 60 tonnes et ses motifs sont admirablement conservés. Une acropole s'étend au sud de la grande place des stèles. À la fois palais royal et temple dédié aux cérémonies religieuses, elle était parfois le théâtre de sacrifices humains. Au pied des marches, des rochers sculptés racontent les événements qui ont marqué la dynastie royale de Quirigua. La côte atlantique présente un visage du Guatemala bien différent de celui du monde maya. À Livingstone, bourgade de 5500 habitants, la population est principalement noire ou Garifuna. Les Garifuna, un peuple métissé au sang à la fois indien et africain, jadis installé sur l'île de Saint-Vincent. Fuyant la domination anglaise, les Garifuna débarquèrent ici au XVIIIe siècle. La langue Garifuna est un étrange mélange de mots espagnols, indiens et africains. Petit commerce, pêche et tourisme assurent les revenus d'un peuple qui puise aussi son originalité aux sources de la musique rasta, toujours influencée par Bob Marley. Au départ de Livingstone, on peut remonter les 42 km du Rio Dulce jusqu'au lac Izabal, le plus grand du pays. Le rio tire son nom de ses eaux douces. Bordé tantôt de falaises, tantôt d'une abondante végétation tropicale, il est le domaine réservé des pélicans et de nombreuses espèces d'oiseaux. La nature a tracé sur les murailles de pierre des formes originales, bien plus intéressantes que celles laissées par l'homme. L'homme a néanmoins trouvé sa place le long du fleuve, avec quelques hameaux construits sur pilotis. Les habitants trouvent leurs ressources dans le rio. En amont, le Rio Dulce s'élargit pour former un petit lac, le Golfete, royaume des nénuphars, sur lequel règnent les jacanas et les grandes aigrettes. La mangrove et ses palétuviers aux racines aériennes cernent le Golfete, véritable réserve naturelle pour les cormorans, les aigrettes et les grands hérons blancs. Point stratégique pour le commerce entre l'Amérique centrale et l'Europe, le Rio Dulce méritait d'être protégé. Avec le Castillo San Felipe, les Espagnols ont pu pendant des années empêcher les pillages par les pirates du Rio Dulce et du lac Izabal. Mais le château a tout de même été détruit et reconstruit plusieurs fois, car les pirates ont tout fait pour aller plus loin, vers le lac, pour s'attaquer aux richesses des conquistadors. C'est comme ça. Le lac Izabal ne risque plus grand-chose aujourd'hui. Et c'est en toute sécurité, par un pont moderne, que l'on franchit le Rio Dulce pour pénétrer à l'intérieur des terres. Direction le nord. Peten signifie « terre isolée » en langue maya. C'est le plus grand département du pays. Avec ses 36 000 km², il occupe un tiers de la surface du Guatemala. La route, bientôt, se heurte à la jungle. Une forêt tropicale dense, parsemée de lacs souvent inaccessibles. Le
Le lac Petenitsa est le plus grand de la région, le deuxième du pays. 30 km de long sur 6 dans sa plus grande largeur. Sur la rive sud-ouest s'étend la principale agglomération du Peten, Santa Elena, reliée par un pont à sa petite sœur, Flores, bâtie sur une île. Chef-lieu du département, Flores a été construite sur les ruines d'une ancienne cité maya, détruite par les Espagnols. L'église et le kiosque de la place centrale dominent une colline parcourue par les rues pavées de la petite ville de 2000 habitants. Les références au passé maya du site sont partout, même sur les vieilles maisons coloniales qui sont sans rival dans la région. Flores vit essentiellement du tourisme, ce qui ne perturbe pas les habitants. Au contraire, cela leur permet de regarder l'avenir avec sérénité, car ils savent que la petite cité colorée ne perdra pas ses attraits de sitôt. Flores est un point de départ idéal pour quitter la civilisation moderne. Au-delà de Flores, commence l'immersion dans les mystères de la jungle et le passé envoûtant du pays. À une soixantaine de kilomètres de Flores, les brumes recouvrent souvent les affluents d'une rivière dont le nom déjà invite à l'exploration, le Rio de la Pasión. En serpentant au cœur de la forêt tropicale, la rivière mène à une région sauvage qui a vu naître la civilisation maya. Aguateca, c'est d'abord un formidable laboratoire végétal où la nature a donné libre cours à sa créativité. Une fois franchie la barrière verte, on se heurte à une imposante falaise qui semble assiégée par la forêt. En réalité, la pierre et le monde végétal s'allient ici pour former un rempart naturel que les Mayas utilisèrent pour dissimuler Aguateca. Au sommet, ultime protection, les Mayas ont érigé d'épais murs de défense pour protéger une acropole. Celle-ci abritait la famille royale. Les archéologues situent la construction d'Aguateca à la fin de la période classique, entre 250 et 900 avant Jésus-Christ. La forêt dans laquelle se profilent les silhouettes de fromagers dissimule encore de nombreux tumulus. Ceux-ci recouvrent les vieilles pierres prêtes à livrer l'histoire de la cité. Mais il est parfois difficile de faire la distinction entre rochers naturels et morceaux de roc taillés par les Mayas. La jungle du Peten abrite les espèces animales par centaines. Les plus faciles à observer sont les oiseaux. La grande aigrette s'éloigne à l'approche de l'homme et les cormorans sont presque aussi farouches. Le héron blanc, comme d'ailleurs les autres volatiles, choisissent également la fuite à l'approche du singe hurleur. Bruyant et toujours plutôt décontracté. Sayacche est la principale ville sur le Rio de la Pasión. Un arbre fait de plus en plus souvent partie du décor, le ceiba. C'est le fromager, un arbre sacré pour les Mayas. On le reconnaît à ses contreforts puissants. Son nom n'est pas sans rapport avec celui d'un important site maya protégé par la forêt, Ceibal. Ici, une ville connut son apogée au 9e siècle, comptant jusqu'à 10 000 habitants. Son essor serait lié à l'arrivée d'une ethnie maya venue de l'actuel Chiapas mexicain, les Putun, aux traits différents des Mayas du Peten. Mise à jour entre 1964 et 1968 à l'initiative d'une grande université américaine,
Le site de Ceibal est intéressant par sa situation. Exemple, un observatoire circulaire permettait non seulement la surveillance de toute la région, mais aussi l'observation des astres. Aujourd'hui, ici, la nature a repris ses droits. Mais il est un autre trésor que l'homme a, il n'y a pas si longtemps, arraché à la nature. Tikal, le site maya le plus prestigieux du Guatemala. Haute de 44 mètres, la pyramide du Grand Jaguar fut terminée sous le règne d'Akakao en l'an 733. Dénommée par les archéologues Temple 1, cette pyramide funéraire domine la place centrale et l'acropole nord, qui font partie d'un vaste ensemble d'une centaine de constructions superposées. L'ensemble servait de palais au roi et de lieu de cérémonie. Face au temple 1, le temple 2 est une autre pyramide funéraire de 38 mètres de haut, dédiée à la femme d'Akakao, Douzara. Les pyramides de Tikal, longtemps englouties dans une jungle extrêmement dense, ne furent découvertes qu'en 1848. La plus élevée d'entre elles, dite temple 4, culmine à 70 mètres. Les fouilles et la restauration des monuments représentent un travail colossal, à la mesure de leur importance dans le monde maya. Comme la flore, le coati a toujours fait partie du décor de Tikal. Tikal vit le jour 700 ans avant Jésus-Christ et fut abandonné vers l'an 900 après Jésus-Christ. Le nombre important de bâtiments qui entourent les grands temples pyramides montre l'importance de la cité. Les chercheurs estiment qu'au temps de sa splendeur, Tikal comptait 10 000 habitants. Grande patte de jaguar, ciel orageux ou double rayon de lune, ainsi s'appelaient les rois qui régnèrent sur Tikal. Ces références à la nature et aux astres ne sont pas anodines. En effet, chez les Mayas, la personne du roi constitue le centre de l'univers. C'est autour de lui que s'organisent les puissances cosmiques, les esprits et même les dieux. Seul site au monde à avoir été classé par l'UNESCO à la fois au patrimoine culturel et au patrimoine naturel de l'humanité, Tikal est loin d'avoir livré tous ses secrets. La jungle est immense et le rayonnement de Tikal s'étendait bien au-delà des limites du Petén. Par le Pacifique, le sud-ouest du Guatemala est avant tout une région de haute terre, avec une population regroupée dans des villages d'altitude. À seulement 30 km de Guatemala Ciudad, les volcans Fuego, Acatenango et Agua dominent l'une des plus anciennes villes d'Amérique, Antigua, 1530 mètres d'altitude, 30 000 habitants. Antigua fut la capitale du pays entre les 16e et 18e siècles. Elle céda ce rôle à Guatemala Ciudad à la suite d'un tremblement de terre qui la détruisit en grande partie. Malgré cette catastrophe et bien d'autres séismes, Antigua a tout de même conservé un remarquable ensemble de bâtisses coloniales. Les fenêtres de style andalou, avec leurs grilles de fer forgé, appartiennent à l'architecture espagnole des 17e et 18e siècles, omniprésente à Antigua.
Les rues pavées, les arches comme celle de Santa Catarina, ainsi que les portes en bois sculpté qui dissimulent de vastes patios, achèvent la séduction. Il ne manque plus qu'un air de marimba, du nom de ce xylophone devenu l'instrument de musique nationale pour se transporter à une autre époque. Antigua respecte les traditions, comme celle du marché, avec son lot de tissus bariolés aux colorations indiennes. Et aussi, bien entendu, celle de la sieste. Au cœur de la ville se dresse la cathédrale de Santiago, érigée en 1542 et endommagée à de nombreuses reprises par les secousses telluriques. La cathédrale domine le parc central, lieu de rencontre parfois incongru. Les galeries du Palais des Capitaines, ancienne demeure des représentants espagnols pour toute l'Amérique centrale, font face à celles du Palais de l'Hôtel de Ville. L'église de Santa Clara date de 1734. Elle n'est que l'un des innombrables établissements religieux de la ville. Comme souvent à Antigua, l'église précède un couvent doté d'un cloître et d'une fontaine. Ville généralement paisible, Antigua connaît l'effervescence pendant la Semaine Sainte. Chaque jour, le rituel commence dès le petit matin avec la confection des alfombras, d'immenses tapis multicolores faits de fleurs et de sciures de bois teintées. La moindre ruelle se pare de ces œuvres d'art qui s'étalent parfois sur plusieurs dizaines de mètres. Le travail est étonnant de minutie et d'application. Un peu d'eau pour maintenir la stabilité de l'ensemble et le décor est prêt pour les cérémonies. Vient ensuite l'heure des grandes processions. Elles partent des différentes églises d'Antigua pour effectuer tout au long de la journée un interminable tour de ville. Chaque église a un saint patron. Installé sur une plateforme de bois, portée par les membres de la confrérie religieuse qui lui est consacrée. L'effort est important et des relais sont prévus tout au long du parcours. Les alfombras sont des œuvres éphémères. Sous les pas des pèlerins, elles s'estompent rapidement. Peu importe, ce sont des offrandes aux saints. Et elles seront renouvelées dès le lendemain matin pour le passage d'une nouvelle procession. L'église de la Merced, la plus belle d'Antigua, est l'un des hauts lieux des célébrations. Elle attire les rois, les dignitaires arabes et même les soldats romains. Indiens mayas d'origine, tous ces figurants font revivre les événements qui ont conduit à la crucifixion du Christ avec beaucoup de conviction. Impressionnant, le char du Christ gisant de la Merced. Il sort le vendredi saint. Le nombre de porteurs n'est limité que par l'espace disponible. Il n'y a pas de place pour les retardataires. Le parc central d'Antigua est noir de monde à l'heure fatidique de la crucifixion. C'est la dernière étape douloureuse avant de célébrer la résurrection le dimanche de Pâques. La mise en scène des derniers moments du Christ est conçue avec soin par les responsables de la confrérie de la cathédrale, dont Julio César Carenza est le président.
Les fêtes de la Semaine Sainte sont véritablement légendaires. Les processions se déroulent en fait depuis des siècles, depuis la conquête espagnole. Elles impliquent le travail non seulement des habitants d'Antigua, mais aussi celui de tous les villages de la région. Une dizaine de confréries s'en occupent pendant toute l'année. 25 000 à 30 000 personnes y participent, dont 90% des habitants d'Antigua. Les porteurs se comptent par centaines et la plus importante procession compte même 1200 à 1300 porteurs. Longtemps réservée aux hommes, même jeunes, la possibilité d'honorer les saints concerne désormais aussi les femmes. Car elles ont aujourd'hui leur propre char qu'elles portent avec la même dévotion que les hommes. Manifestations religieuses se poursuivent ici jusqu'à la nuit tombée. À la lueur des bougies, le spectaculaire devient recueillement et émotion. La région d'Antigua est l'une des plus riches du pays, grâce notamment à l'agriculture et à l'artisanat. Ici, les villageois perpétuent les traditions du tissage que l'on retrouve dans la confection de vêtements très colorés, les huipils. Chaque hameau a ses couleurs et ses motifs de prédilection. L'on peut ainsi reconnaître l'origine de chaque Indien guatémaltèque. C'est dans le village de San Antonio Aguas Calientes que l'on trouve les artisans les plus réputés. Tout notre travail est minutieux, fait entièrement à la main. J'ai appris à tisser depuis mon enfance, depuis l'âge de 7 ans. C'est bien sûr ma mère qui m'a tout appris. Nous n'avons pas besoin d'apprendre la technique, nous la connaissons, c'est tout. Les thèmes qui nous inspirent sont très nombreux. Il y a par exemple la vie de la rue, les volcans, le quetzal, l'oiseau symbole du Guatemala, la récolte du café, beaucoup de choses. Le café, c'est l'autre grande spécialité de la région d'Antigua. On le cultive sur des milliers d'hectares. La récolte s'effectue de novembre à mars, toujours manuellement. 5 mois durant, les paysans se dépensent sans compter pour remplir le plus de sacs possible qui seront achetés au poids par des intermédiaires. La pesée terminée, le nombre de quetzals ne compense pas toujours la rudesse du travail. Les fruits du caféier que l'on appelle cerises font étape dans les beneficios, des exploitations appartenant aux grands propriétaires terriens. Là, le café est trié, lavé, séché, avant de repartir dans les usines de torréfaction et finir sur les tables d'Amérique du Nord ou d'Europe. Au Guatemala, la production de café est l'une des plus importantes sources de revenus du pays. Ici, il y a environ 5000 plantations de café. Les caféiers sont des arbres qui ont beaucoup de feuilles. C'est une des raisons pour lesquelles le Guatemala est un des poumons de la planète, vu la production d'oxygène qui se fait en parallèle de la production de café. Chaque année, nous vendons à l'étranger 5 millions de tonnes de café, ce qui en fait le premier produit d'exportation du pays. Nous produisons notre café en moyenne altitude, mais aussi sur les flancs des montagnes et des volcans. Les volcans, comme l'Acatenango ou le Fuego, toujours actif, ont façonné les paysages de la région. Une voie rapide, la route du Pacifique, relie Guatemala Ciudad à la côte avant de se prolonger vers la frontière mexicaine.
elle traverse la région la plus riche du pays sur le plan agricole. Le Pacifique borde le Guatemala sur 450 km. Principale source de revenus de la région, la pêche, complétée depuis quelques années par une activité plus moderne et pour l'instant marginale, l'aquaculture. Celle-ci se pratique dans la région portuaire de Puerto Quetzal. Pour le reste, la côte pacifique n'est qu'un long ruban de sable sombre menant à la seule station balnéaire, Puerto San José. Voyant disparaître son activité portuaire, la ville s'efforce d'attirer chaque fin de semaine les familles en mal de baignade et de tranquillité, même si celle-ci est toute relative. Puerto San José peine à attirer les amateurs d'océan, moins en raison des requins que de la force des vagues. Large de 50 km, la plaine côtière qui sépare l'océan des montagnes est considérée comme le cœur économique du pays. On y exploite, entre autres, le coton, le cacao, le maïs, le haricot, la banane et la canne à sucre. Les champs de canne s'étalent sur des milliers d'hectares. Ils s'embrasent de manière très contrôlée au moment de la zafra, la récolte, qui a lieu entre novembre et avril. Le feu permet à la fois d'éliminer les feuilles pour faciliter la coupe, mais également de faire grimper le taux de sucre dans les cannes. L'incessant balai des camions, lourdement chargés, s'achève dans les Ingenios, les usines de production de sucre qui fonctionnent souvent 24 heures sur 24. La plaine côtière se heurte aux montagnes qui dominent tout l'ouest du pays, les hautes terres. Elles recèlent un des sites les plus purs du Guatemala, le lac Atitlán. Un phénomène volcanique est à l'origine du lac qui occupe une caldeira, le cratère d'un volcan effondré. De ces eaux ont surgi les silhouettes à la fois belles et menaçantes des volcans qui gardent la partie sud du site. L'Atitlán et le Tolimán dépassent les 3000 mètres. Le petit Cerro de Oro renfermerait un trésor maya. Et le San Pedro, avec ses 3020 mètres, fait face à la ville la plus fréquentée du lac, Panarachel. Un embarcadère accueillant, une infrastructure hôtelière de qualité, Panarachel est un endroit recherché par les visiteurs. Le tourisme est l'une des plus importantes sources de revenus pour la région du lac. Des dizaines de boutiques présentent toute la gamme des produits artisanaux. Elles disputent l'espace aux restaurants, parfois bizarrement fréquentés. Misant sur les attraits du modernisme, Panarachel est une ville quasi irréelle pour les habitants des villages voisins. Santa Catarina Palopo abrite des Indiens Kakchikel, l'une des trois ethnies du lac avec les Tutuil et les Quiché. Les hommes y portent toujours le costume traditionnel, pantalon court, chemise et chapeau. Les femmes portent des vêtements aux couleurs du village, un superbe camaïeu de bleu qu'elles tissent elles-mêmes pendant de longues heures. L'activité principale de Santa Catarina, en dehors du tissage, la pêche. Les hommes partent tôt le matin à bord de leur cayuco. Quand un pêcheur raconte sa journée de travail, il s'exprime dans une langue où se mêlent l'espagnol et le cakchikel, un vieux dialecte maya.
Je pars pêcher dès 3 heures du matin. J'installe le matériel, en fait une simple ligne, sur laquelle il y a des appâts et qui me permet, pendant 3 à 4 heures, de prendre des poissons. Mais j'attrape aussi des crabes qui se vendent très bien. En fait, je travaille surtout le matin, car l'après-midi, il y a trop de vent. Je travaille comme ça 4 à 5 jours par semaine. Si la pêche est l'activité principale de Santa Catarina, un village tout proche, San Antonio Palopo, s'est spécialisé dans une toute autre activité, la culture en terrasse. Introduite dans les années 1960, elle est entièrement dédiée aux oignons, cultivés essentiellement par les hommes, qui portent ici un autre costume caxiquel, la jupe marron et la chemise rayée. À l'extrémité sud du lac, Santiago Atitlan est le fief des Mayas Tsutuil, dont les costumes, tant féminins que masculins, sont d'une grande richesse. Le dimanche, les hommes portent des pantalons courts aux motifs flamboyants. Autre grande spécialité de Santiago, Machimon. Ce mannequin de bois est en fait un saint peu orthodoxe qui ferait le lien entre les divinités mayas et le Judas de l'Évangile. En échange de cigares dont il est friand, ou plus simplement d'argent, Machimon prodigue aide et protection. Connu pour être le centre spirituel de la région, Santiago Atitlan compte des dizaines d'écoles religieuses et de nombreuses sectes, tout en restant fidèle à la culture maya. Car le lac ne peut se départir de ses traditions et de ses légendes. Celles-ci s'insinuent à l'abri des grands volcans, jusque dans les roseaux, les toules en langue maya, balayées par le Chocomil. Elle raconte que ce vent redoutable sortirait de la bouche d'un géant malfaisant caché dans les eaux du lac. À 100 km du lac Atitlan, à 2330 mètres d'altitude, Quetzaltenango est la deuxième ville du Guatemala. La ville doit son essor à celui du café, à la fin du 19e siècle. Les propriétaires terriens y firent construire des bâtiments de style néoclassique, comme le théâtre municipal, le temple de Minerve, déesse de l'intelligence, ou l'hôtel de ville dont la décoration raffinée apparaît incongrue dans ce rude pays de montagne. Quetzaltenango se modernise et prouve que la technologie actuelle n'est pas incompatible avec l'identité maya. Il en va de même pour la cuisine. Alors, des haricots, des saucisses et chorizo. Là, ce sont des haricots sautés, de la viande marinée, du tacos de bœuf, du jambon et du chili pour accompagner la nourriture. Les villages aux alentours de Quetzaltenango restent bien enracinés dans le passé plutôt que dans le modernisme. À Almolonga, c'est la culture maraîchère qui fait partie de l'histoire. Fruits et légumes y sont cultivés sur un bel ensemble de micro-parcelles souvent baignées par le soleil. Le secret d'une production abondante, l'irrigation à l'aide de l'eau provenant de la rivière Salama.
La production transite par le marché de Zunil, un village tout proche. Il semblerait que certains produits s'y vendent parfois à prix d'or. Autre village, autre richesse. San Andrés Xécul est célèbre pour son église de style colonial, abondamment décorée de personnages d'inspiration religieuse. Les couleurs, qui étonnent sur un édifice religieux, rappellent celles des vêtements portés par les femmes indiennes. D'altitude, Chichicastenango est la ville phare des Indiens Quiché. Elle est cernée de pins sous lesquels poussent les orties qui lui ont donné son nom, les Chichicastés. Pascual Abar, la pierre de Pascal, est installée sur une colline surplombant la ville. Elle est honorée par les prêtres indiens qui prolongent les rites mayas. Devant cette pierre mal dégrossie, ils invoquent les esprits les plus divers, font même appel aux saints catholiques, brûlent de nombreux cierges et déversent des flots d'alcool de canne pour régler les problèmes de leurs fidèles. Chichicastenango est au cœur de l'histoire du pays, notamment avec la tradition des masques. Voici le masque de Tekun Umán, le roi Quiché, qui est utilisé pour la danse de la conquête. Tekun fut tué alors qu'il luttait contre le conquistador Pedro de Alvarado. D'après la légende, un quetzal se posa sur sa poitrine ensanglantée. Les quetzals, depuis, ont le ventre rouge. Les masques, toujours porteurs de légendes, sont l'un des principaux attraits du marché de Chichi, le plus renommé du Guatemala. Une fois par an, la foule se fait encore plus nombreuse pour assister à de grandes festivités. Celle-ci débute avec l'installation d'une fête foraine. Le 21 décembre, on célèbre Saint Thomas, le saint patron de la ville. Une semaine durant, Chichicastenango est sens dessus-dessous. La fièvre monte de jour en jour, surtout aux abords de l'église qui porte le nom du saint. Les regards se figent. C'est la danse de San Miguel, dite du palo volador, du poteau volant. Les danseurs grimpent en haut d'un immense mât. C'est un défi à la fois religieux et physique qui les attend. Le mât est en effet installé sur un ancien temple maya, juste en face de l'église, symbole de la religion catholique. Retenu seulement par une corde qui se déroule, les danseurs dessinent sur fond de ciel des courbes de plus en plus larges. Les déflagrations de pétards commencent à se succéder à un rythme soutenu, couvrant par moments les orchestres de marimba qui se livrent à une compétition animée. Un autre rassemblement populaire, et revoici les masques. C'est la fameuse danse de la conquête qui a pour but de se moquer, de manière bon enfant, des conquistadors. Engoncés dans des costumes tape à l'œil, même s'ils sont chaussés 21e siècle, les conquistadors avancent par mouvements chaotiques. Le but est de tourner en dérision ces dangereux personnages. La danse du petit cheval, exécutée par un membre d'une confrérie, n'est pas non plus de tout repos. Elle donne néanmoins le signal, à grand renfort de pétards, du dernier acte de la fête. La grande procession des 14 saints. Au milieu des fumées répandues par les encensoirs, ceux-ci arpentent les rues de Chichicastenango. Ils ouvrent la voie au protecteur de la ville, Saint Thomas d'Aquin. Le 21 décembre, tous les saints effectuent le tour complet de leur cité. Devant leur passage, on écarte les obstacles et la foule se recueille.
procession s'achève aux premières heures de la nuit. Les saints vont bientôt regagner l'église dont ils ressortiront à l'occasion de la procession annuelle qui leur est consacrée. Une fusée transperce le ciel et la fête se termine en feu d'artifice. Scintillant et flamboyant, il rappelle la couleur des origines du Guatemala, la couleur du feu, la couleur de la culture maya.